Pour l'instant, je ne vous montre pas ce qu'il y a en dessous. Parce que je veux pas. J'ai pas envie de vous montrer ce qu'il y a en dessous. Bonjour à toutes les lombris mamans et tous les lombris papas. Bienvenue sur la chaîne du lombris compostage facile. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler de mon futur potager et de mes tomates Batania, qui sont les tomates d'Ukraine. Et mes tomates, ma tomate pour l'instant, parce que j'en ai planté d'autres là-bas, Stupice, qui est une tomate qui vient de Tchéquie. Stupice. Ce sont des tomates très précoces. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Non, non, aujourd'hui, je voulais vous parler plutôt de ça. On zoom, effet spécial, attention, ça c'est du travelling. Je voulais vous parler de Maurice et Mauricette, les deux vers qui sont dans un petit loft, un mini lombricomposteur que j'ai créé. Et je voulais tenter l'expérience que vous ne reproduirez pas chez vous, de voir si on pouvait démarrer un lombricomposteur avec uniquement deux vers de terre, Maurice et Mauricette. On les a nommés comme ça, on a fait une petite votation, et à l'issue de la votation, c'est Maurice et Mauricette qui étaient retenus comme leur prénom. Ils sont dans ce lombricomposteur depuis fin novembre, et quand j'ai fait ma dernière vidéo il y a un mois sur ce sujet-là, j'ai fait la remarque suivante: ils ne risquent pas de se reproduire, ces vers de terre, parce que c'est l'hiver et en hiver ils ne se reproduisent pas. Et la question m'a été posée, mais pourquoi est-ce qu'ils, enfin, comment est-ce qu'ils savent que c'est l'hiver et pourquoi est-ce qu'ils ne se reproduisent pas? Et la réponse que j'ai faite, c'était, bah, ils savent que c'est l'hiver parce qu'il fait froid. Maurice et Mauricette, jusqu'à ce moment-là, étaient dans une dépendance non chauffée à l'extérieur, et donc il faisait 4-5 degrés dedans. Par conséquent, il faisait quand même assez froid à l'intérieur du lombricomposteur et les vers de terre n'avaient aucune chance de se reproduire dans ces températures-là. Du coup, je l'ai mis ici avec des plantes. C'est une pièce qui n'est pas chauffée. Et elle est à température, je dirais, il doit faire une vingtaine de degrés dans la pièce, elle récupère la chaleur du reste de la maison. Donc on est passé de 5 degrés à 20 degrés. Et je les ai laissés tranquilles comme ça pendant 2 mois. Et puis là, en passant, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des cocons? Ou un cocon, un signe que peut-être il se serait reproduit et qu'il y aurait eu des naissances, enfin qu'il y aurait des naissances à prévoir. J'ai commencé à gratter un petit peu la surface du lombricomposteur. Est-ce que vous voyez ce petit point brillant ici? Ce petit point brillant ici, je vous le donne dans le mille, c'est un cocon de vers de terre. Maurice et Mauricette, ils se sont bien amusés là-dedans. Alors c'est quand même assez stupéfiant de se rendre compte que on met deux vers de terre dans un lombricomposteur qui est somme toute vachement grand pour eux. Ils ont réussi à se rencontrer et puis à s'accoupler au point qu'il y a un cocon. Je n'ai pas cherché à trouver d'autres cocons dans le lombricomposteur, je vais les laisser tranquilles. Dans ce cocon-là, il y a entre 3 et 6 vers à peu près. Des petits vermisseaux. Ils seront en tout point pareils à leurs parents, sauf qu'ils seront tout petits, roses, et qu'ils n'auront pas le clitellium, qui est l'anneau qui arrive à la maturité sexuelle des vers, qui est la preuve que le ver est devenu mature sexuellement parlant. Je vais les remettre dans leur maison, en faisant bien attention à les remettre. Hop, ça y est. Pour encourager les petits vers à grandir à l'intérieur de leur cocon, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la commenter si vous avez des choses à me raconter. C'est toujours hyper intéressant et c'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui des petits cocons. La saga de Maurice et Mauricette, je vais faire une playlist et je vais la mettre ici. Donc vous pourrez suivre toutes leurs aventures. J'ai déjà 2 vidéos et là, ça sera la 3e. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est très facile, c'est gratuit, il suffit de cliquer ici. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut.